La qualification des dons dans le parcours de la poche de sang se situe juste après l'étape de prélèvement. Il y a une poche qui est prélevée pour la prépa et des tubes qui partent pour la qualification des dons. Les deux process sont en parallèle puisque les résultats de qualification permettent d'étiqueter les poches de sang. La QBD a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'assurer la sécurité des receveurs. Donc on réalise des analyses d'immunohémato, notamment les groupes sanguins, pour assurer la compatibilité des groupes. Et également, on va rechercher les maladies transmissibles par le sang, par exemple des hépatites virales. Le deuxième objectif, c'est d'informer le donneur, notamment lorsqu'une anomalie biologique est retrouvée. Il y a quatre laboratoires comme celui-ci en France, un à Lille, un à Annecy, un à Montpellier et également trois dans les DOM. Ici au Labo d'Angers, on est une cinquantaine de collaborateurs et nous sommes en charge de la qualification des dons de toute la façade atlantique. Nous recevons entre 2500 et 3000 dons par jour et pour chaque don, il y a 5 tubes de prélevés, donc on reçoit à peu près 15 000 tubes par jour. Oula, il fait pas chaud ici. Oui, pardon, bonjour. C'est moi, le tube de sang qui vous parle. J'ai été prélevée chez une personne qui a donné son sang hier. 5 tubes, dont moi, ont été prélevés en même temps que la poche de sang pour être analysés. Vous me suivez? Je vous montre ma journée. Elle débute au secteur pré-analytique. D'abord, c'est le décaissage pour nous sortir des caisses. C'est facile, la couleur de notre bouchon correspond aux examens que l'on doit passer. Bon, comme les dons de plaquettes se conservent moins longtemps, ils ont un accès prioritaire, leur tube passe avant tout le monde. Ensuite, comme je vais subir une batterie de tests, les analyses à faire sont enregistrées dans un logiciel. Ça permet d'enrichir l'historique du donneur et puis de retrouver toutes les infos au même endroit quand même. Hop, tout le monde en plot, on se prépare pour la centrifugeuse. La centrifugeuse va séparer les différents éléments du sang pour avoir une matrice adaptée à chaque examen. Par exemple, pour certaines analyses, on n'a besoin que du sérum ou uniquement du plasma. Bref, elle nous prépare pour qu'on soit exploitable. Et attention, c'est parti! Oh là là, ça tourne vite! Une fois l'opération finie, un technicien de laboratoire ou un employé vient nous récupérer pour nous mettre sur un automate qui nous répartit selon les examens que l'on doit passer. Moi, je pars avec le tube rose dans le secteur DGV. DGV, ça veut dire dépistage génomique viral. Donc, les analyses recherchent le génome de différents virus. Si le génome est présent, le don est détruit. Cet automate-là me sonde sous toutes les coutures, voir s'il trouve un génome du virus de l'immunodéficience humaine, responsable du sida, un génome du virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Dans le tube blanc un peu nacré, on va chercher le génome de l'hépatite E. Et le tube jaune, il est passé où? Directement dans le secteur sérologie. Dans ce tube, nous allons rechercher la réponse immunitaire du donneur vis-à-vis de certains agents pathogènes transmissibles par le sang. En fait, si des anticorps sont présents dans le sang de notre donneur, cela veut dire qu'il est ou a été en contact avec un certain agent pathogène. Malin ? On réalise ainsi un dépistage des anticorps du VIH, de l'hépatite B et C, de certains virus infectant les lymphocytes T, mais aussi de la syphilis ou de la maladie de Chagas. On va même regarder le taux de fer pour éventuellement prévenir le donneur en cas de déficit. Si l'un de ces anticorps est détecté, déjà on refait le test et si on obtient toujours le même résultat, la poche va être détruite. On vérifie aussi si le paludisme est passé par là, notamment chez les donneurs nés ou ayant voyagé en zone d'endémie. Enfin, pour les tubes provenant de dons de plasma, on réalise un dosage des protéines totales. Il est réalisé une fois par an puisque la réglementation demande un taux minimal de protides pour les donneurs du plasma. Pendant ce temps, les tubes violets n'ont pas arrêté non plus. Je vous raconte. Les tubes violets, c'est comme Laurel et Hardy. Il y a le grand et le petit. Le petit tube a passé une numération globulaire pour connaître la composition du sang. Globules rouges, globules blancs, hémoglobine, plaquettes, tous ces éléments sont comptés comme lors d'une prise de sang classique. Ensuite, il passe par un autre automate qui va rechercher des anticorps dirigés contre les globules rouges et vérifier qu'il n'y ait pas d'autres incompatibilités. Le deuxième tube violet, le grand, est parti dans le secteur immuno-hématologie. Un automate détermine le groupe sanguin ABO et le phénotype du donneur. Grâce à cet examen, on est sûr de distribuer la bonne poche au bon patient. Lorsque l'automate décèle un groupe sanguin rare, c'est-à-dire retrouvé chez moins de 4 personnes sur 1000 en France, l'UFS prévient la Banque nationale de sang rare. Et voilà, les analyses sont finies. Retour à la case départ. On rebouche les tubes. Attention la tête! Les informations récoltées sont intégrées dans une grande base de données sécurisée nommée InLog. Les poches de sang conformes pourront être transfusées au plus vite à un patient qui en aura besoin.
Une fois que toutes les analyses sont terminées et qu'il n'y a aucune anomalie qui a été retrouvée, la poche en prépa va pouvoir être étiquetée et ensuite partir vers les sites de délivrance pour être transfusée à un malade qui en aura besoin. Et en cas d'anomalie détectée, les poches sont écartées de la transfusion et vont être transmises au laboratoire des produits non thérapeutiques pour être valorisées. Et les données sont transmises à Santé publique France pour un suivi épidémiologique des donneurs.